Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un tu préfères. Voilà, je devais le faire depuis X temps et au final j'avais pas les questions, j'avais pas les tu préfères. Et à force sur Discord, vous m'avez passé plein de tu préfères. Voilà, c'est même là-bas que je vous l'ai demandé de le mettre ou dans les commentaires. Et pour faire votre tu préfères, et nous avons une personne derrière la caméra qui posera les questions et que je répondrai devant vous. C'est parti! Tu préfères Kinder Surprise ou Kinder en barre? T'as les questions, j'adore les deux. Mais. Kinder Surprise, c'est ça? Kinder Surprise ou Kinder Bar? Kinder Bar, ça se mange trop vite. Moi-même, ok. Enfin, tous les Kinder, ça se mange trop vite dans tous les cas. Mais Kinder Surprise, c'est bien pour ça, t'as la petite surprise à l'intérieur et tu peux avoir le petit jouet. Petit 2, tu préfères sauver ton ami masculin ou sauver ton ami féminin? Actuellement, je dirais plutôt sauver mon ami féminin, vu que j'ai que de ça. J'ai pas de masculin, alors voilà, ce sera plus. À mort les gars. Ça sera plus féminin. Tu préfères mourir ou tuer ta meilleure amie? Ah ben mourir, je vais pas tuer ma meilleure amie quand même. Cruelle cette Mais question. oui, dans votre thème. Est-ce que t'aimes ta meilleure amie? Tu l'aimes pas, tu la tues? Non, non, je l'aime bien, je l'adore. Tu préfères ne plus dire aucun mot avec un M ou mettre trois L dans tous tes mots? Je pense que je préférais mettre des M partout parce que les. Non, enlever les M, c'est ça? Ouais. Enlever les M. Que mettre des L partout, c'est chaud. Parce que c'est chaud de mettre des L partout. Tu veux Angers? Tu préfères plus de tel ou plus de musique? Ah, plus de tel, plus de musique. Ah, plus de tel ou plus de musique? Ouais, plus de musique, parce qu'en ce moment, ça fait hyper longtemps que j'écoute pas trop de musique. Ouais. Il y a un moment donné, j'écoutais plein de musique, parce que regarder des musiques, c'est quand même compliqué, à part regarder leurs clips. Mais ouais. Je préfère garder mon téléphone et plus avoir de musique, mais ouais. Tu préfères fuir et vivre? Ou te sacrifier pour sauver tes amis et mourir. Bah, je sacrifie mes amis et je meurs. Alors, être en couple avec un beau mec musclé ou avec quelqu'un d'ordinaire et gentil? Alors, tu m'as dit beau et musclé et ordinaire et gentil. Ouais. Est-ce que tu préfères en gros le physique ou plutôt la gentillesse, enfin l'intérieur, quoi? Moi, je dirais les deux. Tu mets les deux ensemble. Ce serait Ah ouais. magnifique. Ah, le Un choix était beau gosse, compliqué. voilà. Mais sinon, c'est chaud en vrai. T'as un beau gosse musclé et tout. Après, ça dépend comment il est musclé. Parce que s'il est hyper musclé et tout, ça peut être trop et voilà. Alors, s'il est petit muscle, ça va, mais bon. On va dire qu'il est trop musclé. Alors, je prendrais le gentil et. Tu préfères vivre à genoux ou mourir debout? Vivre à genoux, mourir debout. Alors, c'est chaud de vivre à genoux. Imagine déjà tes petites tailles et tu vis à genoux. T'es encore plus là, alors tu peux pas attraper des choses. Ça va être encore compliqué, tu vas attraper un truc, faut que tu sautes, mais tu retombes sur tes genoux, mais pas sur tes pieds. Ben, on va dire mourir debout. Même temps, mourir debout, c'est ce qu'on fait tous, hein, dans le cercueil, en général, on est debout, enfin. T'es couché. Enfin, t'es pas dans une position où t'es assis ou autre, quoi. T'es droit. Alors, tu préfères avoir le vertige ou sauter à l'élastique du haut d'un pont? Je préfère sauter d'un élastique d'un pont. Avec un élastique du pont. Parce qu'avoir le vertige, je pense pas que ça soit très très génial. Parce que t'es en hauteur et t'es en mode. Et tout le temps avoir peur. Ça soit pas être fameux fameux dans la vie. Après, moi je sais pas, j'ai pas eu l'occasion d'avoir le vertige. Je peux pas savoir qu'est-ce qu'on ressent. Mais alors que si tu sautes avec l'élastique, au moins tu fais des choses, tu t'amuses, tu fais de la sensation, même si ça peut faire beaucoup de mal au cœur parce que la sensation quand même voilà, faut avoir un cœur solide. Tu préfères 10 millions d'euros ou 10 millions d'abonnés? Les deux? Alors si c'est pour la vie YouTube, je préfère les 10 millions d'abonnés, c'est logique, mais sans la vie YouTube, je préférais les 10 millions d'euros, ce qui est aussi logique dans tous les cas. Mais si même si étant YouTubeur, tu peux peut-être pas gagner 10 millions d'euros même si tu as les 10 millions d'abonnés parce que des fois le nombre d'abonnés ne veut pas dire le nombre d'argent que tu auras. Alors je prendrai les 10 millions d'euros. Tu préfères travailler comme éboueur ou être au chômage? Chômage? Hein? Team chômage? À se lever tôt le matin et faire éboueur, je pense pas que ça soit fun tous les matins. Hein. Faut aimer ça par contre. Ah, pour ceux qui font éboueur, bah, courage à vous et c'est chaud quand même parce que. Ils ont de la force, c'est Ah vrai. ouais. Je sais pas comment vous faites vous les éboueurs, mais moi je pourrais pas. Fin. Ou alors je me bouche le nez, j'en sais rien, mais. J'en sais pas comment vous faites, vous, mais bon. On embrasse tous les éboueurs qui nous Ah ouais. regardent. Paix à Oh vos là là. narines. Elle est dure celle-là, Oh là hein. là là. Tu préfères la Suisse ou le Portugal? Ah.
Eh ben, le Portugal, c'est un peu logique vu je sais plus L'origine. mon origine. Merci, je sais plus parler. C'est fou ça. Plus les jours passent, plus je sais plus parler. Mais bien sûr, le Portugal. Ça semble logique. Alors, petit 13, ça sera la dernière question du coup. Tu préfères perdre la main droite ou le pied droit? Compliqué, hein? Alors, si tu perds la main droite, tu peux pas écrire, mais tu peux écrire de la main gauche. Mais il faut savoir écrire de la main gauche. Après, ça s'apprend à force de faire, tu y arrives. Alors que perdre le pied droit, il te reste plus le gauche. Mais en fait, ça revient au même, hein. Si t'as pas l'un, tu utilises l'autre. Mais bon, si tu perds le pied droit, t'as plus de mal à marcher. Alors, je pense que je préférerais perdre ma main droite. Ok, du coup, ça s'arrête là. D'accord. Bah, merci, la commentatrice derrière la caméra. De rien, j'étais payée pour ça. Payé en bisous, en câlin. Ouais, payée par la gentillesse. C'est ça, exactement. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, ce tu préfères. J'ai essayé de répondre au mieux que je pouvais, même si des fois c'était compliqué que les deux choix, j'aurais aimé les avoir Ouais, direct, enfin, on ne pas faire de préfère tous choix. avoir sa main et son pied, hein. C'est ça, enfin, il y a des choix, tu peux pas choisir l'un ou l'autre, tu dois avoir les deux, c'est obligé. Mais bon, si jamais vous voulez une autre série sur ce tu préfères, même si ça faisait longtemps que je n'avais pas fait et que ça revient en 2020, oui, bien sûr, ça revient en 2020, c'est quand même extraordinaire qu'un tu préfères arrive en 2020. Alors que c'est très, ça se fait très rare maintenant les tu préfères. Ça devient très très rare les tu préfères en 2020. Ouais. Mais si jamais ça vous a plu, bah n'hésitez pas à lire dans les commentaires. Envoyez des tu préfères si jamais vous en voulez d'autres. Et sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.